Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Population du marché Mokolo, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Le Seigneur Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Et nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Et partout où nous arrivons, il nous demande de laisser la paix qu'il nous donne. Tout à fait. C'est pourquoi, population du marché de Colombie, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici maintenant, le Seigneur Jésus nous envoie ici parce qu'il a un message à te passer. Le Seigneur nous envoie te transmettre un message. Le Seigneur Jésus nous envoie te transmettre un message capital. Tout à fait. Ce message est capital pour ton existence sur la terre et dans l'éternité. Tout à fait, mon bien-aimé. Mon frère, ce message-là, c'est le message qui va t'accompagner jusqu'à dans l'éternité. C'est le message qui va te donner la vie éternelle. Et ce message consiste en deux mots. L'évangile du salut. Tout à fait. L'évangile du salut. L'évangile du salut. Mon frère, toi qui montes et qui descends ici maintenant, est-ce que tu es sauvé? Que tu le fais ou non, tu vas quitter cette terre. Tu quitteras ce monde, mon bien-aimé. Que tu le fais ou non, ton jour arrive. Ton jour va venir, mon bien-aimé. Ton jour pour la grand-père. Tout à fait, mon bien-aimé. Ton jour pour la grand-père, mon frère. Ton jour arrive, mon bien-aimé. Ton jour est en train de courir pour venir te chercher. Tout à fait, mon bien-aimé. Ton jour est en train de courir pour venir te chercher. Fais attention, mon bien-aimé. La mort ne se fatigue pas. Fais attention, mon bien-aimé. La mort. Elle ne se fatigue pas. Fais attention, mon bien-aimé. La mort ne se fatigue jamais. Fais attention, mon bien-aimé. La mort va arrêter son travail lorsque le Seigneur Jésus va le jeter dans les temps de feu. Fais attention, mon bien-aimé. La mort va arrêter son travail lorsque l'homme sera jeté dans les temps de feu. Fais attention, mon bien-aimé. Mais tant que la mort n'est pas encore jetée dans les temps de feu, la mort travaille toujours. Fais attention, mon bien-aimé. La mort travaille toujours. Fais attention, mon bien-aimé. C'est pourquoi, pendant que toi tu es en train de faire du sucre, quelqu'un en train de faire l'accident quelque part. Fais attention, mon bien-aimé. Pendant que tu es en train de vendre ici, quelqu'un meurt à l'hôpital quelque part. Fais attention, mon bien-aimé. Pendant que tu es en train de vendre ici, il y a les enfants comme ça, on est en train de tuer quelque part. Fais attention, mon bien-aimé. La mort ne se fatigue pas. Fais attention, mon bien-aimé. Un jour, la mort va frapper à ta porte. Un jour, la mort va frapper à ta porte. Un jour, la mort va frapper à ta porte. Un jour, la mort va toquer à ta porte. Un jour, la mort frappera à ta porte. Fais attention, mon bien-aimé. Un jour, la mort va frapper. Frappez à ta porte. Fais attention, mon bien-aimé. Prépare ce jour. Prépare-toi, mon bien-aimé. Prépare ce jour. Prépare-toi, mon bien-aimé. Prépare ce jour-là. Ce jour arrive. Prépare bien ce jour-là. Prépare-toi, mon bien-aimé. Parce que c'est un jour sans retour. C'est un jour sans retour, exactement. C'est un jour sans retour. Tout à fait, mon bien-aimé. Il n'y aura pas moyen de faire marche arrière. Fais attention, mon bien-aimé. Il n'y aura pas moyen de dire, va aller changer telle chose. Fais attention, mon bien-aimé. Il n'y aura pas moyen de dire, maintenant, je vais faire le bien. Fais attention, mon bien-aimé. Il n'y aura pas moyen de dire, maintenant, je vais arrêter d'avoir. Il n'y aura plus rien. Fais attention, mon bien-aimé. Il n'y aura plus moyen. 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 Il n'y aura plus moyen de changer quoi que ce soit. Fais attention, mon bien-aimé. Il n'y aura plus moyen de changer quoi que ce soit. Fais attention, mon bien-aimé. Il n'y aura plus moyen de changer quoi que ce soit. Fais attention, mon bien-aimé. Et sache que lorsque la faucheuse va t'apparaître de ton âme. Lorsque la faucheuse s'emparera de ton âme, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas pouvoir t'expliquer, mon bien-aimé. Tu vas rendre compte à Dieu. Il va falloir que tu t'expliques, mon bien-aimé. Tu vas rendre compte à Dieu. Que feras-tu, mon bien-aimé? Tu vas rendre compte à Dieu. Que feras-tu, mon bien-aimé? Mon frère, regarde bien ça. Regarde bien l'image. Tu te pointes devant Dieu. Tu vas trembler comme une feuille morte. Que feras-tu, mon bien-aimé? Tu vas trembler comme une feuille morte. Que feras-tu, mon bien-aimé? Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Fais attention, mon bien-aimé. Tu connais le nom du Créateur? Pose-toi la question. Tu connais son nom? Est-ce que tu connais son nom? Saint est le Seigneur, le Dieu puissant. Saint est le Seigneur, le Dieu puissant. Son nom, c'est sainteté. Le nom de celui qui t'a créé, c'est sainteté. Son nom, c'est sainteté, mon bien-aimé. Son nom, c'est sainteté. Est-ce que tu es saint, mon bien-aimé? Son nom, c'est sainteté. Est-ce que tu te sanctifies déjà, mon bien-aimé? La parole de Dieu déclare
Tu es lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Tout à fait. Tu es lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Tout à fait, mon bien-aimé. Aucun pécheur ne peut supporter la présence de Dieu. Aucun pécheur ne peut se tenir devant lui. Aucun pécheur ne peut supporter la présence de Dieu. Aucun pécheur ne peut se tenir devant sa présence. Aucun pécheur ne peut supporter la présence de Dieu. Aucun pécheur ne pourra le supporter. Je ne peux pas dire que tu te rends à lui. Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Fais attention, mon bien-aimé. Parce que ton péché sera explosé. Tout à fait, mon bien-aimé. Ton péché sera explosé. Tout ce que tu as fait en secret sera explosé. Ton péché sera explosé. Fais attention, mon bien-aimé. Ton péché sera explosé. Fais attention, mon frère, ma soeur. Ton péché que tu caches là. Sur la terre, devant Dieu sera exposé. Fais attention à ta vie, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu déclare que tout est à nu et à découvert. Tout à fait. Au Dieu de celui à qui nous devons rendre compte. Tout à fait. Tout est à nu et à découvert. Au Dieu de celui à qui nous devons rendre compte. Tout à fait, mon bien-aimé. Même ce que tu fais dans le mois, Dieu est au courant de ça. Le Seigneur est au courant de tout cela, mon bien-aimé. Même ce que tu fais dans le mois, Dieu sait ça. Fais attention, mon bien-aimé. Les films pornographiques que tu regardes à minuit, 1h, 2h du matin, Dieu est au courant de ça. Fais attention, mon bien-aimé. Les sites pornographiques que tu fournis dans ton téléphone, Dieu est au courant de ça. Fais attention, mon bien-aimé. La femme avec qui tu trompes ta femme, Dieu est au courant de ça. Fais attention, mon bien-aimé. Les bureaux que tu as dehors, Dieu les connaît toutes. Fais attention, mon bien-aimé. Tous tes bureaux de dehors sont connus de Dieu. Fais attention, mon bien-aimé. Ta mauvaise vie, Dieu la connaît bien. Fais attention, mon bien-aimé. Et lorsque tu seras devant le trône de Dieu, pour rendre compte, tu vas trembler. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler. Fais attention, mon bien-aimé. Tu vas trembler. Fais attention à ta vie. Parce qu'aucun péché ne peut supporter d'être devant Dieu. Aucun péché ne pourra s'être tenu devant lui. Aucun péché ne peut supporter d'être devant Dieu. Aucun péché ne pourra s'être tenu devant lui. Aucun péché ne peut supporter d'être devant Dieu. Aucun péché ne peut s'être tenu devant lui. Aucun péché ne se tiendra devant lui. Dieu est lumière. Tout à fait. Parce que Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Parce que Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Parce que Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. On dit quiconque vient à la lumière, ses œuvres sont manifestes. Tout à fait, mon bien-aimé. Quiconque vient à la lumière, ses œuvres sont manifestes. Exactement, mon frère. Quiconque vient à la lumière, ses œuvres sont manifestes. Exactement, mon bien-aimé. Mon frère, tu penses que le voleur va venir te voler chez toi avec la lumière allumée? Béni, quoi, tu penses ça? Le voleur va voler avec les ampoules allumées, n'est-ce pas? Il ne pouvait jamais venir. Il ne voleur avec les ampoules allumées. Il vient d'avoir les ampoules. Tout à fait. Parce qu'il sait ce qu'il aime le faire. Il le sait. Il sait ce qu'il aime le faire. Il le sait. C'est pourquoi il aime le noir. Il le sait. Mais lorsqu'on allume la lumière, on va attraper le voleur. Exactement. Lorsqu'on allume la lumière, on attrape le voleur. Lorsqu'on allume la lumière, on attrape le voleur. Tout à fait, mon bien-aimé. La lumière de Dieu va s'allumer sur ta vie. La lumière de Dieu va s'éclairer sur ta vie. La lumière de Dieu va s'allumer sur ta vie. La lumière de Dieu va s'éclairer sur ta vie. La lumière de Dieu va s'allumer sur ta vie. Va s'allumer sur tes secrets. Toute ta vie sera exposée. Tous tes secrets seront exposés. Toute ta vie sera exposée. Tous tes secrets seront exposés. Tout ce que tu feras de ténèbres sera exposé. Les secrets seront exposés, mon bien-aimé. Les hommes avec qui tu touchais seront explosés. Ils seront explosés, mon bien-aimé. Les films pornographiques que tu aimais regarder seront explosés. Ça sera explosé, mon bien-aimé. L'imagination que tu aimais, il va les exploser, ces choses-là. Tout à fait, mon bien-aimé. Les choses abominables que tu regardes, il va exploser ça. Tout ça sera mis à nu. Les enfants, les gens que tu écrochais, on va les exploser comme ça. Exactement, mon bien-aimé. Les sangs humains que tu pouvais, on va exploser ça. Fais attention, mon bien-aimé. Que tu mangeais, on va exploser ça. Fais attention, mon bien-aimé. Ce jour arrive. Ce jour arrive. Ce jour arrive. Fais attention, mon bien-aimé. Ce jour arrive. Fais attention à ta vie, mon bien-aimé. Ce jour arrive. Fais attention à ta vie, mon bien-aimé. Ce jour arrive. Fais attention à ta vie, mon bien-aimé. Ce jour arrive. Fais attention à ta vie. Le jour où tu rendras compte. Allez, allez, le jour où tu rendras compte. Le jour où tu rendras compte. Fais attention à ta vie, mon bien-aimé. Le jour où tu rendras compte. Fais attention à ta vie, mon bien-aimé. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir les rapports sexuels. Mariage.
Mais assieds-toi, tu vas prier. Amen, c'est Joël. Aujourd'hui, c'est bien de toucher avec tel. Mais ce jour-là, tu vas prier. Amen, c'est Joël. Aujourd'hui, c'est bien de te masturber. Tu te casses, tu te masturbes. Tu dis que personne ne me voit. Mais à ce jour-là, tu vas pleurer. Aujourd'hui, c'est bien de faire n'importe quoi. Tout à fait. Sur le lit conjugal, de faire des rapports sexuels avec les positions animales. C'est bien de faire ça. Mais à ce jour, tu vas regretter ces choses. Tu vas regretter, mon bien-aimé. Tu vas regretter ces choses. Tu vas regretter, mon bien-aimé. Tu vas regretter ces choses. Tu vas regretter, mon bien-aimé. Mon frère, ma soeur, sache qu'il y a un jour. Sache qu'il y a un jour. Ou même quelquefois ton âge, tu vas pleurer. Tu vas pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Fais attention, mon bien-aimé. Ce jour-là, tu vas pleurer, mon frère. Attention. Ce jour-là, tu vas pleurer, ma soeur. Attention. Tu vas pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Tu vas pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Fais attention. Fais attention. C'est parce que Jésus connaît ta vie. Exactement. Mon frère, ma soeur, Jésus est mort sur la croix afin de t'arracher de l'enfer. Exactement, mon bien-aimé. Jésus est mort sur la croix afin de t'arracher de l'enfer. Tout à fait, mon bien-aimé. Jésus n'est pas mort sur la croix afin que les hommes aillent encore en enfer. Jamais. Afin que Jésus ne meure, les hommes allaient en enfer. Tout à fait. Mais Jésus est mort afin de sauver l'homme de l'enfer. Le Seigneur est mort pour toi, mon bien-aimé. Jésus est mort afin de sauver les hommes de l'enfer. Le Seigneur est mort pour t'empêcher d'aller en enfer, mon bien-aimé. C'est pourquoi je dis que tu crois à moi et tu auras la vie éternelle. Il te dit, crois à moi et tu auras la vie éternelle. Jésus te dit, crois à moi et tu auras la vie éternelle. Moi, au Seigneur Jésus-Christ, tu vivras. Le Seigneur Jésus t'appelle ce soir, mon frère. Le Seigneur Jésus t'appelle ce soir, ma soeur. Ne ferme pas ton cœur à ce appel. Ne ferme pas ton cœur à l'appel du Seigneur. Le Seigneur a trop souffert à cause de toi. Le Seigneur a trop souffert. Son sang a coulé comme il n'est pas permis. Son sang a coulé pour toi, mon bien-aimé. Son sang a coulé comme il n'est pas permis. On a fouetté jusqu'à ta peau et coupé sur son corps. Le fouet a arraché la peau de son corps. On a craché sur lui. On l'a insulté. Pour toi, mon bien-aimé. On s'est moqué de lui. Pour toi, mon bien-aimé. Lui qui n'avait même pas un péché. Tout à fait, exactement. Mon frère, je te pose une question. Si c'est lui qui n'avait pas un péché, on l'a torturé comme ça. Toi, tu pèses tous les jours. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort, mon bien-aimé? Si c'est lui qui n'avait même pas un péché, on l'a torturé comme ça. Toi, tu pèses tous les jours. Quel sera ton sort? Pose-toi la question, mon bien-aimé. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort si tu meurs dans le péché? Quel sera ton sort, mon bien-aimé? Quel sera ton sort si tu meurs dans le péché? Quel sera ton sort, mon bien-aimé? Quel sera ton sort si tu meurs dans le péché? Si tu meurs dans le péché, quel sera ton sort? Oh, mon frère! Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Non, mon bien-aimé. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les femmes. Non, mon bien-aimé. Il a créé pour Satan et ses démons. Tout à fait. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Exactement. L'enfer n'a pas été créé pour toi, mon frère. Exactement. L'enfer n'a pas été créé pour toi, ma soeur. Mais les hommes iront en enfer. Exactement. Les hommes iront en enfer. Exactement, mon bien-aimé. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Les hommes iront en enfer. Les hommes iront en enfer. Exactement. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Mon frère, toi qui ne crois pas en Jésus, c'est ce que tu meurs, tu vas aller en enfer. Exactement, mon bien-aimé. Ma soeur, toi qui ne crois pas en Jésus, c'est ce que tu meurs, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas de chemin pour entrer au ciel. Il n'y a pas de chemin pour entrer au ciel. Il n'y a pas de chemin, mon bien-aimé. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Le Seigneur Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Exactement, mon bien-aimé. Nul ne va en paix sans passer par moi. Nul ne va en paix sans le Seigneur Jésus. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va en paix sans passer par moi. Nul ne va en paix sans le Seigneur Jésus. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas la vie éternelle. Si Jésus n'est pas dans ta vie, pas de paradis pour toi.
Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas la vie éternelle. Si Jésus n'est pas dans ta vie, il n'y a pas de salut pour toi. Le salut de tout homme se trouve en Jésus. Le salut de tout homme se trouve en Jésus. Le salut de tout homme se trouve en Jésus. Et ce soir, Jésus est dans les rues de notre vie. C'est bien pour ça. Moi aussi, je crois en Jésus, c'est bien. Mais sache une chose, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Et une foi morte ne sauve personne. Une foi morte ne sauve personne. Moi aussi, je suis enfant de Dieu. Mais c'est toi qui portes les pantalons. Les pantalons, c'est tes fesses. Tu dis aussi les pantalons pour femmes. Il y a aussi les pantalons pour femmes. Ma soeur, est-ce que les pantalons, c'est un habillement décent? Est-ce que les pantalons que tu portes, c'est un habillement physique? Un habit qui te suit tes courbes. Un habit qui te suit tes formes. Tu n'es pas habillé, tu es nu. Ma soeur, tu n'es pas habillé, tu es nu. Ma soeur, aucune femme qui porte les pantalons n'ira dans le rang de Dieu. Aucune femme qui porte les pantalons. Il ira dans le nom de Dieu. Je sais que tu es dur, mais je dois te dire la vérité. Je sais que tu ne vas pas croire, mais je dois quand même te dire. Je dois quand même te dire. Pourquoi au jour du jugement, tu ne dis pas que je ne savais pas? Jésus. Pourquoi au jour du jugement, tu ne dis pas qu'on ne m'avait pas dit? Jésus. Aucune femme n'avait le pantalon, personne n'ira au ciel. Personne n'a cru si elle avait les pantalons. Le vêtement. N'est pas là pour dessiner tes courbes. Aucune femme n'a cru si elle avait les pantalons. Le vêtement n'est pas là pour dessiner tes formes. Jésus. Le vêtement est là pour couvrir la nudité. Tout à fait. Le vêtement est là pour couvrir le corps. Exactement. Le vêtement est là pour cacher ce qui est en bas. Exactement. Tu portes un habit qui te définit, tu dis habillé. Tu n'es pas habillé, mon bien-aimé. Tu n'es pas habillé, mon bien-aimé. Tu n'es pas habillé. Tu n'es pas habillé. Le vêtement est là pour couvrir ton corps. Exactement, mon bien-aimé. Tu portes un pantalon qui te définit là. Tu n'es pas habillé. Prostitué. Repends-toi, ma soeur. Tu es une prostituée. Abandonne le pantalon. Tu es une prostituée. Repends-toi, ma soeur. Tu es une prostituée. Repends-toi de ça. Aucune prostituée ne reprend le nom de Dieu. Aucune prostituée n'entrera au ciel. Repends-toi dans les femmes en matelot dans les églises. Envoie les femmes en collant dans les églises. Abomination. Abomination. Repentez-vous. Abomination. Repentez-vous. Vous qui dites que vous êtes les enfants de Dieu, ne vous faites attention. Le Seigneur te demandera, est-ce que c'était tes cheveux que tu avais sur la tête? Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi ou même les mamans mettent les faux cheveux sur la tête de l'enfant. Repentez-vous. Vous entrez les enfants en enfer. Repentez-vous. Vous entrez les enfants en enfer. Repentez-vous de la pauvreté. Tu mets les faux sur toi. Dans tous les enfants, tu mets le faux. Repends-toi, ma soeur. Repends-toi, ma soeur. C'est un peu le trop. Repentez-vous de la pauvreté. C'est un peu le trop. La pauvreté ne pourra pas vous sauver. C'est un peu le trop. La pauvreté ne pourra pas te sauver. C'est un peu le trop. Repends-toi, ma soeur. À la maison, c'est la télé que tu t'attends. Oh. C'est la télé que tu t'attends. Repentez-vous, mes bien-aimés. Oh, c'est terrible ça. Repentez-vous, s'il vous plaît. C'est terrible ça. Repentez-vous. Abomination. Repentez-vous. On n'a pas la publicité à la télévision. Tu es là avec la femme de la vie. Repentez-vous de la télévision. Enfin, à cause de la beauté, tu mets les mains sur la tête. Tu mets pour toi. Tu mets pour toi. Repends-toi. Tu mets pour toi. Repends-toi, ma soeur. Tu as perdu que l'enfant. Tu as perdu que l'enfant devant une attitude. Tu as perdu que l'enfant devant un homme. Tu as perdu que l'enfant devant le violence. Porte maintenant. Assume maintenant les conséquences. Assume maintenant les conséquences. Répondre-toi, ma soeur. On n'a pas aux enfants comment à lancer les maris de leur soeur. Voilà, c'est ça. Et vous riez. Vous riez. Tu fais une série avec ta fille. Comment arracher le mari de sa soeur? Et vous êtes contacts. Oh! Vous êtes contacts. Repentez-vous. C'est comme ça que le diable vous initie au péché. Repentez-vous. C'est comme ça que le diable vous initie au péché. Repentez-vous. C'est comme ça que le diable vous initie au péché. Repentez-vous. On vous apprend comment faire pour tromper sa femme en enfer. Pour tromper sa femme, c'est encore le tacrap. Et tu es là, tu regardes avec tes enfants. Mon père m'abandonne la télévision. Le Seigneur va vous frapper très mal. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Le Seigneur va vous frapper très mal. Repends-toi avant qu'il ne soit comme ça. Le Seigneur va vous frapper très mal. Repends-toi avant qu'il ne soit comme ça. Parce que vous êtes à deux coups des enfants à côté de la télé.
Vous allez rendre compte du sang de cet enfant-là. Repentez-vous. Vous allez rendre compte du sang de cet enfant-là. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez rendre compte du sang de cet enfant-là. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez rendre compte du sang de cet enfant-là. Mon bien-aimé, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Tu as la télé, quand tu vas voir le dit Gaga avec les cheveux qui touchent les fesses, tu vas dire, moi, je vais avoir les cheveux de le dit Gaga. Oh. À la télé, tu vas voir que toi, j'étais avec les talons. Les talons sortis, tu vois de l'enfer. Tu vas vous demander si tu veux les talons là. Repends-toi, mon bien-aimé. Enfant de Dieu. Oh. Enfant de Dieu, tu l'as appelé. Repends-toi. C'est la télé qui t'a fait à t'habiller. C'est la télé qui t'a fait à t'habiller. Repends-toi de la télévision. Les femmes du monde. Les femmes montées. La télé ne peut rien t'apprendre. Les femmes montées, c'est elles qui sont testées. C'est elles qui sont testées. La télé ne doit rien t'apprendre, mon bien-aimé. Je te rappelle qu'aucun idolâtre que tu vas dans le monde. Aucun idolâtre. Aucun idolâtre n'a trouvé dans le monde. Aucun idolâtre n'a trouvé dans le monde. Je te le dis encore. Aucun idolâtre n'a trouvé dans le monde. Sous ta fait, mon bien-aimé. Toi que ton idole, c'est le Messie. Toi que ton idole, c'est Cristiano Ronaldo. Oh. Tu as la direction de l'enfer. Repends-toi de ces charmes. Eh, le Seigneur, accepte mon idole. Tu vas aller en enfer. Le Seigneur ne pourra pas te sauver, mon bien-aimé. Oh. Le Real Messi, c'est le roi du football. Tu vas aller en enfer. Repends-toi de lui, Real Messi, mon bien-aimé. Aucun idolâtre ne va entrer au ciel. Messi ne pourra pas te sauver, mon bien-aimé. Aucun idolâtre ne va entrer au ciel. Repends-toi de ces choses. Aucun idolâtre ne va entrer dans le royaume. Repends-toi de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on est chrétien, mais on veut être à l'aise. On veut s'habiller comme on fait les pieds. Les pieds doivent respirer dans les mini-jupes. Oh. Oh, les pieds doivent respirer. Tu es un chrétien. Oh. Tu es un chrétien. Oh. Je vais te dire quelque chose. Un chrétien, une chrétienne ne s'habille pas à son goût. Exactement. Un chrétien, une chrétienne ne s'habille pas à son goût. Tout à fait. Il s'habille au goût de Jésus. Tout à fait. Il s'habille au goût de Jésus. Tout à fait, mon bien-aimé. Il s'habille au goût de Jésus. Tout à fait, mon frère, ma soeur. Jésus demande couvrir le corps. Le chrétien couvre son corps. Exactement, mon bien-aimé. Tout Jésus demande de casser la nudité. Le chrétien casse la nudité. Exactement, mon bien-aimé. Si tu es chrétien qui veut être à l'aise dans ton habillement, il faut aussi qu'on fasse que j'ai le corps. Oh. Il faut que mes pieds respirent. Un chrétien s'appuie au bout de Jésus. Exactement, mon bien-aimé. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Tout à fait. Nous sommes les prisonniers de Christ. Exactement. Nous sommes les prisonniers du Seigneur Jésus. Exactement, mon bien-aimé. Un prisonnier ne termine pas sur son maître. Tout à fait. Un prisonnier fait ce que son maître demande. Exactement, mon bien-aimé. Un esclave fait ce que son maître demande. Exactement, mon bien-aimé. Avant de croire à Jésus, tu es esclave du diable. Tout à fait. C'est plus toi, tu vas faire ce que le diable aime. Tout à fait. Tu vas t'appuyer comme une prostituée. Exactement. Tu vas voler. Exactement. Tu vas mentir. Tout à fait. Tu vas te masturber. Tu vas regarder la pornographie. Tout à fait, mon bien-aimé. Tu vas voir les rapports sexuels en mariage. Tout à fait. Mais lorsque Jésus te délivre de la puissance du diable, tu deviens esclave de Jésus-Christ. Exactement. C'est pourquoi tu vas t'appuyer au bout de Jésus. Exactement. Tu vas faire ce que Jésus veut. Tout à fait. Et non ce que toi tu veux. Tout à fait, mon bien-aimé. Tu n'es pas prêt à renoncer à ta propre vie. Tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas, mon bien-aimé. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un ne quitte son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie. Si quelqu'un le a, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, jusqu'à sa propre vie, il n'est pas digne d'être mon disciple. Il n'est pas digne d'être mon disciple. Il n'est pas digne d'être mon disciple. Exactement, mon bien-aimé. Le super chrétien du 21e siècle. Ok, ok. Est-ce que c'est parce qu'on est chrétien? Je sais pas si c'est la police, c'est un peu. En bon, hein. Tout à fait. Est-ce que c'est parce qu'on est chrétien qu'on est plus possible à 20 ans? N'est pas, c'est pas la question. Tu dois faire le choix entre ton cas et Jésus. C'est pas. Tu dois faire le choix entre ta cœur et Jésus. Parce que être chrétien, être chrétien, c'est renoncer au cœur. Tout à fait. Si tu aimes ton cœur, ne t'appelle pas chrétien. Tout à fait. Si tu aimes ta cœur, ne t'appelle pas chrétien. Tu es tout sauf chrétien. Tu es tout sauf chrétien. Tu es tout sauf chrétien. Les super chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens qui se masturbent. Tu es chrétien, mais tu te masturbes. Tu es chrétien, mais tu regardes les films porno. Celui qui te lit, tu pèches ta paix sur Jésus-Christ. C'est pourquoi, en parlant à mon maître, tu vas toujours te masturber.
Encourage ma mère. Tu vas toujours avoir un rapport sexuel en mariage. Tout à fait. Encourage ma mère. Tu vas toujours regarder les filles pour nous. Tout à fait. Encourage à Marie. Tu vas toujours boire la pierre. Tu vas toujours fumer. Tu vas toujours forniquer. Tu vas toujours te masturber. Tu vas toujours mentir. Tu vas toujours coucher avec les femmes en mariage. Parce que Marie ne sauve pas. Parce que Marie ne sauve pas. Marie ne peut pas te sauver. Marie ne sauve pas. Marie ne peut pas te sauver. Mohamed ne sauve pas. Mohamed ne peut pas te sauver. Bouddha ne sauve pas. Il ne peut pas te sauver. Les clans de tes ancêtres non plus ne sauve pas. La religion ne peut pas te sauver. Les clans de tes ancêtres, ça ne sauve pas. La religion ne peut pas te sauver. Depuis que tu peux baisser lui sur les clans. Tout ce que tu fais en cachette, c'est le mal. Tout ce que tu fais en cachette, le péché. Le Jésus que tu es que pas. Tout ce que tu fais en cachette, le péché. Le Jésus que tu es que tu vois pas. Quand tu as quelque chose n'est pas le péché, on ne se cache pas. Tout à fait. Quand quelque chose n'est pas le vert, on ne se cache pas. Tout à fait. Tu attends que ta femme paraisse pour amener le bureau. Pourquoi ne viens pas dans ta famille? Le Seigneur Jésus t'appelle à la réponse. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il t'appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Jésus qui t'appelle ce soir à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Pas qu'il y a le péché qui appelle ce soir à la repentance. Ma chère, ce n'est pas parce que tu as une femme très douce que tu vas aller au ciel. Tout à fait. Ce n'est pas parce que tu es très douce que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que tu es trop belle que tu vas aller au ciel. Tout à fait. Il y a beaucoup de mouvements dans l'enfer. Il y a beaucoup de mythes en enfer, il y a beaucoup de belles filles en enfer. Il y a beaucoup de femmes plus belles que toi en enfer. Elles sont nombreuses, elles étaient plus belles que toi en enfer. Il y a beaucoup de célébrités en enfer. Depuis que ta beauté ne peut pas te sauver, ta beauté s'est serrée devant Dieu. Ta beauté est belle devant Dieu. Ta beauté s'est serrée devant Dieu. La beauté du premier aux anglais. Ta beauté permet de séduire les hommes, mais pas les démons. Tout à fait. Ta beauté permet de séduire les hommes, mais pas les démons. Ta beauté ne peut pas séduire. La première année qu'en enfer, tu seras totalement nu. Tout à fait. En enfer, tu n'auras pas le calisson sur toi. En enfer, le calisson, tu n'auras pas. Les démons vont te torturer nu, tout à fait. Les démons vont te torturer sans calisson, tout à fait. Les démons vont te torturer nu. Ils vont te prisonner en enfer. Ils vont te prisonner en enfer. Repends-toi avant qu'il ne sorte pas. 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 Repends-toi. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il a encore temps pour toi, mon frère. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Qui t'appelle ce soir à la repentance? Ma soeur Jésus veut te sauver. Jésus qui t'aime beaucoup, mon frère. Ma soeur Jésus veut te sauver. Jésus qui t'aime beaucoup, mon frère. Ma soeur Jésus veut te sauver. Et il est venu quand tu ne rejette pas la main de Jésus. Il ne veut pas faire ta guérite dans l'enfer. Ne rejette pas la main de Jésus. Voilà pour ça qu'il a fait la repentance. Ne rejette pas la main de Jésus. Mais si tu voulais ta main dans le ne rejette pas la main de Jésus. La terre a accueilli les bras ouverts. Ne rejette pas la main de Jésus. Parce qu'on sent que je ne peux éviter le roi de Dieu. Le Seigneur Jésus a fait tous les catholiques à la repentance. Le Seigneur Jésus appelle tous les musulmans à la repentance. Jésus qui appelle tous les religieux à la repentance. Le Seigneur Jésus appelle tous les protestants à la repentance. Appelle tous les pentecôtistes à la repentance. Le Seigneur Jésus appelle tous les pentecôtistes à la repentance. Il appelle tous les protestants à la repentance. Population de notre monde, repentez-vous. Repentez-vous au village, je suis prêt, repentez-vous. Repentez-vous à parler de péché, tout le monde. Oh, ça fait pitié. Jésus, il a dit veillez, priez sans cesse.
C'est par amour pour toi qu'il a passé la vie. Tu sais pas ton cœur, ma chère, l'œuvre de Dieu se veut toute à fait.
Vous pensez qu'on est ici pour s'amuser? On n'est pas là pour s'amuser. Vous pensez qu'on est ici pour plaquer? Vous riez parce que vous ne connaissez pas ce que quelqu'un va faire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous plaquez parce que vous ne connaissez pas ce que quelqu'un va faire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous plaquez parce que vous ne connaissez pas ce que quelqu'un va faire, monsieur. Repentez, vous, ma bien-aimée. On ne lit pas avec mon frère. Repentez, vous, ma bien-aimée. On ne lit pas avec mon frère. L'affaire est réelle. On ne lit pas avec le péché. Le péché, c'est la mort. On ne lit pas avec le diable. Le diable est réel. On ne lit pas avec les démons. Les démons existent. On ne lit pas avec le diable. Le diable existe. On ne lit pas avec le le démon existe, on ne lit pas avec mon frère. On ne lit pas avec le péché. L'éternité est réelle. On ne lit pas avec le péché. L'éternité est réelle. On ne lit pas avec le péché. L'éternité est réelle. On ne lit pas avec le péché. L'éternité est réelle. On ne lit pas avec le péché. L'éternité, c'est la vraie vie. Le péché, les temps sont finis. 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 Mon frère, mon frère, mon frère, les temps sont finis. Retournons, retournons, la Jésus, je nous veille.